Bonjour, c'est Astonjel, bienvenue dans la troisième partie consacrée à l'épisode 3 de Dead Space. Donc ça devrait normalement être la dernière partie de cet épisode. Alors là, il y a un schéma que j'ai bien récupéré. Qu'est-ce que on peut larguer? Ça, on s'en sert pas trop. Je pense pas qu'on ait de gros monstres pour l'instant. Puis le schéma c'est bien pour débloquer. De toute façon il y en a un petit peu partout apparemment, donc c'est pas très grave. Donc oui, on avait laissé Isaac dans un sas et donc on le retrouve à la sortie du sas, ce qui paraît logique. Alors il va falloir qu'on fasse gaffe parce que la stase il va me rester de quoi en lancer une. Mais il faut vraiment y aller à l'économie. Alors on va pas refaire le plein tout de suite. Qu'est-ce que j'entends là? Alors, je suis souvent sur l'inventaire, mais j'ai tellement peur de manquer de tout que je surveille peut-être un peu trop d'ailleurs, je sais pas. À vous de me le dire. Alors, encore une fois, ce jeu vous met vraiment sur le qui-vive. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve là? On a de l'argent, c'est très bien. Rien d'autre. Alors, pour ceux qui prendraient les épisodes en route, là, en fait, on va essayer de stabiliser l'orbite de l'Ishimura. J'ai dit l'orbite? Non, c'est l'orbite de l'Ishimura, voilà. Alors, des balles d'assaut. Encore des... Alors ça c'est quoi un journal? Alors la matière inconnue aperçue à divers endroits du vaisseau a atteint l'ingénierie. Je ne sais pas d'où vient cette merde, c'est comme si quelqu'un avait dégueulé sur tous les murs. En tout cas ça pousse trop vite pour qu'on puisse contenir cette saloperie. Ça a déjà atteint le moteur et si on ne fait rien pour l'arrêter, ça va nous envahir complètement d'ici 2 jours. J'espère que les scientifiques s'en occupent. Bah oui, tout le monde l'espère. Ah, un point de force, ça, très bien. On va pouvoir améliorer notre équipement, ça doit être notre troisième, je crois, point de force qu'on a là. Ouais, c'est ça, 3. Sachant qu'on s'en garde un toujours pour ouvrir des portes inaccessibles, ça nous en laisse 2 pour faire évoluer la stas, par exemple, qu'on aurait bien besoin, parce qu'on s'est pas trop occupé d'elle jusqu'à maintenant. On a privilégié l'armement. Alors c'est pas que ça serve pas, hein, au contraire la stase, mais jusqu'à maintenant c'était suffisamment efficace, mais à mon avis ça va se compliquer donc. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Merde, je peux pas le prendre. Vivement la troisième combinaison parce que. Alors, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est ces petites saloperies là, merde. Oh putain, dégage, 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 dégage. Merde, ça je me fais avoir hein, quand c'est avec cette arme là que j'arrive à les buter. J'avais pas la bonne arme dans les mains. Alors on va remettre un peu de vie. Quand même. Et du coup, on va aller récupérer celui qui traînait là-haut. Puisqu'on a une place maintenant dans l'inventaire. Voilà, il y en a un qui a dû s'échapper, je sais pas où il est, on l'entend. Où est-ce qu'il est, cette saloperie? Voilà, dedans il y a quoi d'autre? Voilà, ça, on n'a pas de place. Non plus, bah on sait qu'il y en a là. Oh, c'est quoi ça? C'est agaçant ce cri là. Alors. Il doit être en bas. Il doit être en bas. Il a dû tomber en bas le truc.
Ah oui, je le vois. Il est là. Allez. Hop, on se bouge ta gueule. Alors, ça, il faudra qu'on aille tout à l'heure. Là, on va déverrouiller, bien sûr, même si on ne peut rien prendre. Parce que comme j'ai une fâcheuse tendance, dès que je vois un plan, de toute façon... Ouais, il y a pas mal de trucs, donc ça valait le coup. J'ai une fâcheuse tendance, quand je vois un plan de travail, à vouloir gaspiller, enfin gaspiller, vouloir utiliser tous les points. Là, au moins celui-là, je pourrais pas l'utiliser, donc j'aurai accès à la porte. Alors, un petit coup de stase. Oh là, bah oui, mais il pouvait pas arriver avant, lui. Il se serait fait écraser dans la porte, ça aurait été bien. Allez. Hop. Voilà. Et il me donne rien. C'est bizarre, d'habitude, quand on bute un truc, il laisse toujours quelque chose derrière, et là, il me donne rien, lui. Salopard. Oh là, là, encore les petites bestioles, là. Attends, on va leur faire péter ça, la gueule. Voilà. Merde, ça a rien fait. Alors, hop. Hop, putain, c'est con, merde, il y a l'autre là-haut. Si j'avais pas tiré dans le truc, je pouvais lui mettre. C'est pas grave. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui bougeait sur son dos. Voilà, comme ça, s'il y avait un truc, ça bouge plus. Bon. Ça, on va l'emmener avec nous. Comme ça, on va économiser des balles au cas où. Une petite sauvegarde. Allez, viens avec moi, toi. On sait jamais. Ah 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 ah, bah j'ai bien fait de prendre ça. Qu'est-ce qui tremble l'autre là? Et hop. Ah bah merde, ça a rien fait du tout. Putain, je suis deg. Ils ont l'air tout mou. Ah, tout mou. Allez, hop, on va refoutre de la stase. Il en reste deux. Et là, normalement, on devrait... Bah tu vas tout ouvrir, toi. Oh, oh. Ah, quand même. Bon. Où est-ce qu'ils se sont planqués? Ah, il y en a un là. Allez. Bah lui, il est mort tout de suite. Ou pas. Oh merde. Oh putain, merde. Hop, prends ça. Hop, on va se faire l'autre d'abord. C'est les plus costauds ceux-là. Allez, allez. Merde, plus belle. Allez, hop, voilà. Allez, hop. Hop, voilà. Voilà, on commence à être habitué. Oh putain, un gros. On va prendre le trancheur. Merde. Ah, c'est mieux. Prends ça, non. Mais ça pète pas tout de suite, ce truc-là. Puis je l'ai pas lancé assez loin. Qu'on a là, plasma, on reprend le troncheur, le cutter, hop, voilà. Bon bah ça va, c'est pas violent ces trucs là, c'est gros mais c'est pas violent. Marque heureusement qu'on y a coupé les pattes, parce que ça se trouve c'était peut-être plus violent que ça. Alors on va inspecter le coin. De la vie, encore de la vie, c'est très bien. Un point de force, bah on est gâté, non? On est gâté. Comme ça, on récupère celui qu'on a utilisé dans la porte tout à l'heure. Donc on a toujours 3. Ça, les gars, vous allez venir avec moi. Parce que là, a priori, il va falloir qu'on allume la console.
dès qu'on va avoir allumé cette console, je pense qu'on va en prendre plein la gueule. Donc il vaut mieux se préparer. Alors, le semi-conducteur, tant pis, on le prendra tout à l'heure. Il en reste encore un. En espérant que ça marche mieux que tout à l'heure s'il y a besoin. Alors, on va faire une petite sauvegarde vite fait. Parce que là, je vous avoue que je le sens pas bien. Je commence à être habitué, pas vous. Les trucs, on commence à les sentir revenir maintenant. Ça se trouve, il va rien se passer, hein, mais. Ça se trouve, je psychote un peu. Alors. Bah non, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Le mec essaye quand même, tu sais. Allez. J'ose même pas l'allumer, cette putain de console. On y va. Ouais, bon allez, go. Alors ça va venir d'où? Séquence d'allumage initiale. Ouais, c'est ça. Veuillez patienter. Ah bah voilà, bien sûr. Toc. Hop, ça c'est bon. Oh putain. Allez, hop. Ouais, ça marche bien. C'est bon. C'est bon. Ça va. Ah ma merde, il n'y en a plus. Maintenant faut se démerder. Allez, 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 allez. Oh putain, oh putain. Ah putain, dégage toi, dégage. C'est avec leur queue qui sont dangereux. Ah putain, l'autre qui arrive là, tire-toi, dégage. Oh putain. Allez, on se bat. Barre-toi. De la vie. Voilà. Hop, oh, putain. C'est lequel qui m'emmerde là? C'est lequel qui m'emmerde là? Putain. Allez, dégage-toi. Putain. Allez. Il y a encore un gros con avec sa queue de merde là. Attends, bouge pas toi. Bouge pas. Voilà. Autre chose à dire? Oh putain. Hop. Voilà. J'adore ce truc. Ça, on va le finir. C'est bon. Il est excellent le trancheur. Alors, le. Voilà. Hop, là normalement, bah oui, on doit avoir de la place un petit peu maintenant. Bah oui, forcément. On va reprendre de la stase. En plus, ça va redonner de la place. On va finir d'inspecter tout ça. Une caisse. Allez, de la stase, s'il te plaît, j'en ai plus. Bah, de l'argent, ça ira très bien. Donc là non, il n'y a plus rien, de toute façon il y a été de l'heure. Non, c'est bon, on a tout récupéré, je crois. Non, bah non, bah non, 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 il y a encore tout ça. Voilà. J'ai pas été dans le coin là-bas. Donc toi, prends ça au passage. C'est bon. Ben, la cueillette aurait été bonne. Derrière, peut-être. Non. Bon, bah ok. Alors. Bah oui, maintenant il faut l'activer. On sait jamais. Des fois qu'il nous prépare encore un mauvais coup, donc alors voilà, qu'est-ce se passe-t-il? Faut se tirer, ouais, bah on va se tirer. Le bastrin, ça se trouve tout va péter. Allez, allez, dégage, ouvre-toi. Allez. Je sais pas si on a bien fait de refoutre ce bordel là en route. Ça marche, je crois que c'est reparti pour de bon. Enfin une bonne nouvelle. Rejoignez la passerelle, Isaac. Pendant ce temps, je vais remettre le vaisseau en orbite sur le stationnaire. Vite, attends, c'est pas encore fini. Le système de défense du vaisseau ne fonctionne plus. Et ça tombe mal, on s'apprête à traverser un champ de débris qui vient de la planète.
Si on répare pas ça, on va être réduit à morceaux. Bon Dieu! Je vais voir ce que je peux faire. Isaac, venez sur la passerelle, vous pourrez certainement m'aider ici. Oh putain, c'est catastrophe sur catastrophe. Bon, allez, une petite sauvegarde. Ça c'est fait. Bon, alors maintenant il va falloir stopper des astéroïdes, si j'ai bien compris. Ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, est-ce qu'on va nous laisser rentrer sans dégâts, sans problème ou... Alors, ça, ok. Ça, ok. L'argent, c'est bien. Il n'y a rien qui traîne dans le coin. Je veux pas rentrer par là, moi. Bah, non, je vais récupérer tous mes trucs que j'ai laissés tout à l'heure. Attends, là, il y avait un autre passage, j'ai loupé un truc. Ah non, parce qu'attends, on a gaspillé un point de force et tout pour avoir tout le matos, on va pas le laisser comme ça, hein. Non, là, il y a rien. Alors... Ah non, attends, il y a plein de trucs à récupérer. Et... Ah, ça doit être par là. Allez hop. C'est peut-être pas le chemin le plus sûr. Ouais, il me dit que c'est de l'autre côté, mais... je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, voilà, là, on a plein de trucs à récupérer. Bah voilà, tiens, j'allais laisser tout ça. Non, mais il est fou, lui. Je le crois pas. Ah, le GPS, hein. À 150 mètres, tourner à droite. C'est ça, ouais, t'as raison. Bon, allez. Là. Bah tiens, puis de la stade. Ah merde, je peux pas la prendre. Bon, ah, bah je vais faire le plein. Déjà, il manquait pas grand-chose, mais au moins... Bon, alors. Qu'est-ce que je peux jarter pour récupérer la stase? Ouais, l'air, on s'en fout pour l'instant. Allez hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu proposes toi? Oh putain! Bah, c'est là autre chose. Maintenant, il y aura des colis piégés. Bon. Alors. Voilà, on refait le chemin inverse à l'envers. C'est plus long, hein, je m'excuse, mais j'allais pas laisser tout ça. Enfin, je m'excuse pas, excusez-moi. C'est pas bon de m'excuser. Mais... Donc, ah oui, là il y avait des munitions. Non, bah on va les laisser, c'est pas grave. On a récupéré de la stase, c'est déjà pas mal. Là c'est un cul-de-sac. Donc ça doit être de l'autre côté. Ah, ça poisse ce truc là. Là on avait tout pris. Là qu'est-ce que je fais là? Voilà, hop là, c'est bon. Alors. Là il n'y avait plus rien non plus. Regardez quand même vite fait de l'autre côté pour être sûr, mais je crois qu'on avait tout pris aussi. Ah non, il y avait un truc encore. Ah non, on peut en prendre que 3 sur les 4, c'est déjà pas mal. Ça, normalement, on peut pas, puisqu'on pouvait pas tout à l'heure. Mais bon, on sait jamais des fois que ça bug. Ah bah, des fois, il y a des bugs qui sont sympathiques. Hein. C'est rare, c'est vrai, je vous le conseille, mais. Voilà, bah c'est bon, je crois qu'on a, on a retrouvé notre chemin. Ah oui, il faut qu'on repasse là. Ouais. On va ressortir en, en apesanteur. On va reprofiter vite fait de la vue qu'on avait
où on s'était laissé tout à l'heure, enfin, dans la vidéo précédente. Alors, maintenant on connaît le chemin. Voilà. Bon, on n'a pas fait de tourisme là, hein, mais c'était pas le but recherché. Voilà. Et bien, pour l'instant, le retour s'est bien passé. On est presque arrivé normalement, si j'ai pas de bêtises là. Ouais, c'est bon, on est là. Alors, on va aller faire une petite sauvegarde avant. Ah putain! Ouais, ça m'aurait étonné. Allez, hop, ça c'est fait. Hop, toi, dégage. Ça s'était torché. Voilà, ça c'est pour le fait de m'avoir fait peur. Donc, alors, oui, ça, on s'en débarrasse. Alors, bon, on a pas mal de kits de soins. Hein. On en a peut-être même un peu trop, hein, des kits de soins. On a jamais de trop, mais là, ça prend plein de place dans l'inventaire. On va peut-être en mettre dans le stock, hein, puisqu'on a un coffre. On va peut-être profiter du coffre. Voilà. Encore un. Ou pas. Ouais, encore un. Allez, ça doit suffire normalement. Donc là, point de force, on va prendre. Énergie plasma. Ouais, trancheur. Allez. Ça c'est fait, ça nous en fait 4. On va se faire une petite sauvegarde. Ok, c'est fait. Alors, on va vite fait normalement. Voilà, l'établi est là-bas. On va utiliser nos points de force. Comme ça, on va équiper un peu mieux Isaac. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça va. Alors, donc, le module de stase, on va faire, bien sûr, on va augmenter la durée. Voilà, et on va maximiser l'énergie. Ouais, voilà. Et puis on va garder le dernier point pour, comme d'habitude, s'il y a une porte à ouvrir. Voilà. Et ben là on aura bien équipé Isaac pour l'instant. Enfin bien. Voilà. Il sera bien mieux équipé. La stase devrait nous être beaucoup plus utile. Le cutter, on va peut-être après arrêter de miser dessus et puis commencer à travailler les autres. Le puits d'assaut notamment, parce que le trancheur pour l'instant il a l'air suffisamment efficace. Alors là on doit retourner au tramway je pense. Bah écoutez, ça va être le moment de se dire au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Donc vous l'aurez compris, la prochaine mission ça sera de stopper des astéroïdes. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous passez d'agréables moments en ma compagnie. Moi en tout cas j'ai plaisir à faire ces vidéos pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous.